Une cérémonie d'hommage aux trois soldats français morts dans le nord du Mali la semaine dernière dans le cadre de l'opération Barkhane s'est tenue aujourd'hui à Paris en présence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Le président Hollande a remis aux trois militaires la Légion d'honneur à titre posthume. Une cérémonie pleine d'émotions suivie par Makanfil Konaté. 13h55, Ibrahim Boubacar Keïta fait son entrée dans la cour d'honneur de l'hôtel des Invalides. Il salue les familles des trois soldats morts au Mali, les membres du gouvernement français, puis rejoint sa place à côté du président de la République, le ministre directeur de cabinet et l'ancien ministre de la Défense, Soumilou Boubey Maïga, invité par le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. 14h10, arrivée du président François Hollande, honneur militaire suivi de l'hymne national de la France. François Hollande salue à son tour les familles des défunts, puis rejoint son hôte, le président du Mali. Les dépouilles des trois soldats sont transportées par leurs compagnons d'armes. Le maréchal de logis-chef Damien Doblé, le brigadier chef Michael Chauvin, le brigadier Michael Possim sont élevés au grade de chevalier de la Légion d'honneur par le président François Hollande. Un dernier salut est adressé aux morts, puis les cercueils quittent la cour d'honneur accompagnés des familles. Le président du Mali a tenu à accompagner les familles dans cette dernière marche. De son arrivée dans la cour des Invalides à son départ, 53 minutes se sont écoulées, 53 minutes durant lesquelles Ibrahim Boubacar Keïta restera debout comme pour dire « Je me porte à merveille ».